Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir télécharger Call of Duty Black Ops 4 gratuitement sur PlayStation. Alors tout d'abord il vous faudra le PlayStation Plus parce que tout simplement c'est une offre gratuite du PlayStation Plus du mois de juillet. Alors si vous voulez le PlayStation Plus, vous allez dans le PlayStation Store, vous allez dans recherche comme ceci et là vous allez taper PS Plus et là normalement bah, vous aurez... Les abonnements qui s'afficheront. Donc voilà, comme ceci. Alors pour 9 €, bah vous allez pouvoir vous abonner à un mois du PlayStation Plus. Et de là, bah vous allez pouvoir télécharger le jeu Black Ops 4 gratuitement sur la Play. Alors cependant, très important, si vous n'êtes plus abonné au PlayStation Plus, vous ne pourrez plus jouer au jeu gratuit PlayStation Plus. Donc là, par exemple, si je télécharge Black Ops 4, voilà, bon moi je l'avais déjà acheté, mais par exemple je télécharge Street Fighter et que je ne suis plus abonné au PlayStation Plus le mois prochain, je ne pourrai plus y jouer, c'est exclusivement gratuit pour ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant. Alors quand vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous allez sur le PlayStation Store, vous tapez Call of Duty Black Ops 4, donc vous tapez BO4, normalement ça devrait fonctionner, on va voir ça. Donc ça ne fonctionne pas, donc il faut taper Black Ops 4. Et là, logiquement, il devrait être à l'affiche. Ok, donc là, il est juste ici. Attendez, on va mettre tout affiché. Ok, donc là, normalement, il est là. Donc moi, comme je l'ai déjà acheté, je ne peux pas le réacheter. Attendez, je vais regarder un truc. Normalement, je peux l'acheter. Mais là, apparemment, je peux pas l'acheter. Attendez. Donc, je vais vérifier un truc avec un autre compte. Pour voir si je peux l'obtenir. En tous les cas, dans abonnement, vous pouvez le voir qu'il est ici. Call of Duty Black Ops 4 gratuitement avec A Plague Tale Innocent et Battleground. Et quand vous descendez, donc même si je vais via le PlayStation Plus ici, regardez, inclus avec le PlayStation Plus. Donc c'est gratuit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec un autre compte. Parce que celui-là, ben, comme j'ai déjà acheté le jeu avec ce compte-là, peut-être que ça... Ça fait bugger le bazar. Donc là, je vais aller dans PlayStation Store. Je vais retaper dans l'option recherche Black Ops 4. Black Ops 4. Et on va voir si il est vraiment gratuit. Mais normalement, c'est sûr. Black Ops 4. Ok, donc là, 60 €. Ok. Donc là, je peux pas l'avoir comme ça. C'est très bizarre. Donc si je mets tout affiché... Ah voilà, je peux l'avoir juste ici. Donc en fait, faut aller dans tout affiché et en fait, faut le chercher un peu plus bas. Regardez, il est juste ici en exclusivité. Normalement, il le met directement sur la page de à l'affiche donc du jeu. Normalement, il est marqué 70 € et là juste à droite, il est marqué si vous avez le PlayStation Plus, ben c'est gratuit. Ben là, apparemment, ils nous ont fait carrément une autre option. Donc voilà, il faut le chercher. Il est marqué Call of Duty Black Ops 4 édition PlayStation Plus. Voilà, donc c'est l'édition. Voilà, il faut s'abonner pour l'avoir. Et j'ai peut-être même une idée, si vous ne le trouvez vraiment pas, ce que vous pouvez faire, on va tester ça, c'est dans recherche, vous allez taper Black Ops 4 PlayStation Plus. PlayStation. Peut-être que là, c'est obligé, ça l'affichera directement. On va tester ça. Voyons voir. Non, ça ne fonctionne pas. Ah si, il est là, voilà. Black Ops 4, PS4, voir le produit, s'abonner. Voilà, si vous tapez PlayStation Plus en plus, ben, normalement, vous aurez ça à l'affiche. Et là, il faudra vous abonner pour le télécharger, si bien sûr vous avez le PlayStation Plus. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je sais que certains d'entre vous m'ont laissé des commentaires pour savoir justement comment l'avoir. Ben voilà, à partir d'aujourd'hui, 10 h, il était disponible sur le PlayStation Plus Store. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo le mec et ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.